Mais si, tu vas y arriver. C'est trop dur. J'ai pas mon bébé. J'ai pas mon bébé. Bon, je suis désolé, mais je vais bouffer, moi. Attends. Non, ça fait une heure, là, j'ai la dalle. Allez. Ok, mais on en refait une après dîner, hein. Mais il faut que tu cries moins fort. Il y a les voisins qui commencent à me regarder bizarre, là. C'est vrai? Donc c'est crédible, on y croit? C'est cool! C'est quand ton casting? Demain matin, donc faut vraiment qu'on répète ce soir. S'il te plaît. Merci! Ah, je sens que je vais l'avoir, celui-là. Bonjour. Bonjour. Désolé hein, pour le bruit. J'espère qu'on vous a pas trop dérangé. C'est, ma femme, en fait, elle répète un casting. Donc... Ah, d'accord. Non, j'ai déjà appuyé. Maintenant, il ne marche pas. Non, mais attends, j'étais bien en plus, j'ai tout donné. Même moi, j'ai cru que j'étais enceinte. Mais elle dit que je suis trop jeune. La dernière fois, j'étais trop vieille alors qu'il voulait me coller un fils de 18 ans. Enfin, faudrait savoir, là. Je sais, ma chérie. Entre 25 et 60, c'est compliqué pour les filles. Oui, bon, t'as pas autre chose? Le Audiard, tiens, t'as eu des nouvelles? Tu veux pas me mettre dessus? Non, il y avait rien pour toi, ma Sophie. Et la série Netflix? Oh non, j'ai lu le scénario. C'est une rockeuse, elle fait de la guitare électrique. Bah, c'est bien. Ça, une rockeuse, mets-moi dessus. Mais il faut savoir en jouer de la guitare électrique, ma belle. Mais j'en joue, de la guitare, Laurent. Ah bon? Depuis quand? Bah, depuis toujours. Depuis l'enfance, quoi. Va voir sur mon site, hein, sur mon CV, c'est écrit dessus. Hein. Mais j'ai pas vu ça, alors attends, je vais aller voir, oui, parce qu'effectivement... Ah ouais, non, ça serait vraiment dommage que je loupe le casting à cause de ça, hein, vraiment. J'ai mis de l'électrique. Ah ben oui, c'est dessus, excuse-moi. C'est là, je vois plus clair. Bon, je t'envoie le scénario et le texte des essais. Hein. J'essaye de t'avoir un rendez-vous pour la semaine prochaine. Oh, excuse-moi, ma belle. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Juste fais attention pour la prochaine fois. Hein. Et tu m'envoies bien le mail ce soir, hein. Faut que je bosse, moi. Oui, bien sûr. Bisous, ma chérie. Bon, bisous, Laurent. Bon, bah... Pardon, désolé pour le bruit, hein. Oui? C'est ma femme, elle répète un casting. Ah, d'accord. Voilà, bon bah... Bonne nuit. Il va falloir baisser le son, là. Il y a le voisin qui commence à gueuler. Je vais l'avoir, celui-là. Je vais l'avoir. Tu l'as pas eu. De toute façon, ils y connaissent rien en guitare électrique. Je suis désolé, ma chérie. C'est comme ça. Donc, on fait quoi pour le rôle de flic nul dans le téléfilm pourri? Tu veux toujours pas en entendre parler? Oh, j'ai pas dit ça comme ça, si. Bah... Non, mais envoie, hein, Laurent, envoie. Je prends. Ok. Je t'envoie ça. T'as voulu jouer au con? Bravo. T'as gagné. Alors maintenant, t'as deux options.
Option numéro 1, tu balances le nom de toute ton équipe. Je veux les adresses, les numéros de sécu, le nom de leurs parents, le nom de leurs chiens, leurs allergies alimentaires, leurs signes astrologiques, je veux tout savoir. Si tu choisis cette option, bah je verrai ce que je peux faire pour t'éviter de passer ta vie en tôle. Après, t'as toujours l'option numéro 2. Tu continues ton petit cinéma, tu fais l'autruche. Et là, je te garantis que ça va mal se passer. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux décaler un tout petit peu la lumière, mon amour, parce que ça me... Petit poil trop, là. Bonjour. Jean. Non, mais c'est ma femme. Elle répète un casting. Ah, d'accord. Ouais. Il s'est resté coincé. Donc, vous auriez pas une pince? Une grosse pince? Non. Non, je demanderai un autre. Non, mais ça devient compliqué, mon amour. Y a pas un moyen pour que tu bosses un peu plus calmement tes rôles? Un peu moins intense, quoi? Parce que là, tu t'investis beaucoup et ça... Je l'ai eu! Je l'ai eu! Quoi? Le rôle du flic, le téléfilm, ils m'ont choisi! C'est vrai? Oui! Bravo, mais je suis trop content pour toi! C'est trois semaines de tournage, on part la semaine prochaine, je suis trop contente! C'est... Tu me disais quoi? Rien, c'est top, bravo, oui. Je suis fier de toi. Moi aussi. Bravo. Non mais oui, il était très sympa ce tournage, Laurent. Mais bon, là, ça fait 3 jours qu'il est terminé, faut passer à autre chose, hein. C'était quoi le truc dont tu voulais me parler? Non, mais il faut savoir faire des claquettes. Tu fais pas de claquettes? Mais bien sûr que je fais des claquettes. J'ai fait 50 claquettes. Ah, tu savais pas, pour le tennis? Bah, si, j'étais classée 15-30. Ça a fait longtemps, mais ça s'oublie pas, hein, c'est comme le vélo. Bah, bien sûr, je parle portugais. Tu sais, le portugais, c'est assez proche de l'espagnol, hein, les pays se touchent. Si, du chant lyrique, au conservatoire. J'y allais tous les samedis, après mon cours de guitare électrique. Oui, je sais. C'est ma femme, elle bosse un casting. Et puis ça, c'est de la part de tout le monde. Ah. Voilà. Ok. Oh, magnifique. Waouh! Mais qu'ils sont cons! Mais qu'ils sont cons! Belle couleur, hein! Mais que vous êtes cons! Voilà! Allez! Merci beaucoup! Bon, tu veux pas lui dire au moins de venir prendre une part de gâteau ou... Non, laisse tomber. Bah si, va la chercher! Bah ouais, c'est ton anif, mec! Procureur, il voulait ma peau. Il a foutu des micros chez moi. Procureur de la République, hein, l'enfoiré! Je suis pas une pute. Mon amour, tu vas pas faire une pause 5 minutes là? Venir manger une petite part de gâteau avec nous? T'as pas une clope? Non, toujours pas. Il y a Flore et Damien qui t'ont pas vu depuis 2 ans. Tu veux pas lâcher ton rôle 5 minutes? Personne qui est monté ici depuis 15 ans. Mon mari, il est mort. J'ai pas accouché, moi. Tu t'es pissé dessus? Tu veux pas aller m'acheter une bière? Laisse tomber. S'il te plaît. Laisse tomber. Enfoiré de procureur. Enfoiré! Mais je sais pas, bonjour peut-être, déjà. Oui, bonjour. Alors, ça a fait la fête hier soir, hein?
Ouais, c'était mon anniversaire. Ah oui, ça j'ai entendu, oui. Non, ça c'est ma femme, elle répète un casting. D'accord. Il a foutu des micros chez moi. Le procureur de la République, l'enfoiré. Mon amour, y a ton agent qui vient de m'appeler parce que tu répondais pas. Et il m'a dit que ça ne l'avait pas fait pour le rôle de la SDF. Ils ont pris une vraie SDF à la place. Je suis désolé. Je suis pas une pute. Mais il t'a eu un nouveau casting, il t'a envoyé le scénar sur ton mail. Ça va aller ? Le procureur de la République. D'accord. Bon, moi je vais devoir aller me coucher, je me lève tôt demain. Tu te rappelles que je pars pour 3 jours à Bordeaux ? Hein ? On en avait parlé, tu te souviens ? Il y a personne qui montait chez moi depuis 15 ans. Personne. Bon, pour info, je t'ai fait couler un bon bain bien chaud. Mac ? Merci. Sophie ? Sophie ? Mon amour, t'es là ? Oh ! Oh merde. Oh, putain de merde ! Je suis désolé, je... Oh putain... Je crois que c'est ma femme, elle doit bosser un casting. Ah, bah d'accord, ouais. Je vais la voir, celui-là. Je vais la voir.